Le jour du 10 mai nous rappelle la mort de Bounzeki. Rafa Bounzeki. Rafa Bounzeki a été un grand musicien, artiste dans notre pays. Alors, lui, il est né pour ce pays-là. Donc, nous sommes venus célébrer l'anniversaire de Rafa Bounzeki en tant qu'artiste, parce qu'un sapeur, c'est un artiste. Voilà pourquoi nous sommes venus pour célébrer l'anniversaire de M. Rafa Bounzeki. Nombreux des sapeurs qui sont là savent qui était Rafa. Donc, pour moi, on mérite de faire un monument pour cet artiste-là. La Linga Kibanzembona était qu'à le départ pour l'école, parce que Rafa, c'est un grand musicien du Congo, Congo-Brazzaville. Et un musicien monéne. Il m'a salué sous la sape à la valeur. Des anciens combattants au pays lors de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. L'origine de la sape provient du retour des anciens combattants au Congo lors de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ils menaient l'harmonie qu'ils avaient et la fierté. Oh, 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 oh. Les combattants avaient des relèves au pays de la sape. Du père spirituel André Grenard Matoua, après Francos, Kari Kalafa, Ngoma le Momé, Maleba Kondé, Oma Maran, Jacques Tabazo, Jean-Louis Monekolo, Freddy Ibarra, Alain Nonongando, Loni Tierdo, Nike Mune, Leandre Mumbala, Michel Maungo, Bissemo Le Grand, Jérôme Marcel, Sylvain Mayassi, Yengo, Ngo, Ngo, Yengo, Yengo. André Grenard Matoua, après Francos, Tadi Kalafa, Ngoma le Mom, Maleba Gondé, Ngoma Maron, Nadia Tabazo. Les bons souvenirs que j'ai gardés quand il a chanté la chanson de Mabueso, ça m'a plu. Vous voyez comment je suis habillé là, c'est Rafa qui nous a appris. Hein. Sans Rafa, voilà pourquoi il s'est attaché à Papa Wemba. Nous achetons les habits. Ce n'est pas pour garder ses habits à la maison ou bien pour qu'on nous voie les dimanches à l'église montrer au pasteur qu'on est bien habillé. Mais je pense que si nous portons ces habits, c'est pour valoriser ce que nous sommes. Nous sommes Congolais, on est les vrais Bantous, les Bantous qui savent s'habiller. Lui, il était phénoménal. Comme c'est vraiment différent, bien que nous le suivons, nous sommes ses fans. On a regardé, mais sauf que il n'y a pas un remplaçant maintenant là. On ne sait pas si le jour à venir, il y aura un remplaçant. Il nous a éduqués dans la sape et il nous a prédigué beaucoup de conseils. Et voilà pourquoi nous, on se comporte tel que nous sommes là. Chaque le dimanche, que les gens fassent quelque chose de bon pour Rafa Bounzeki, ça sera une fierté. Parce qu'on n'a pas de monument pour ces artistes qui partent. Le ministère de la Culture ne les a jamais gravés au fusque sur un tableau pour dire que ce sont les artistes qui ont fait le beau temps de la musique congolaise. Aujourd'hui, ce n'est pas le fait que nous avons des Rafa, nous avons les autres, les Kevin, les autres, les Capricicons, ils sont nombreux tant qu'artistes. Mais je pense que l'histoire est toujours dans le domaine de ceux qui ont vécu l'art, ceux qui connaissent la musique, ils vous diront, pour moi, Rafa, c'est un gars à mettre un trophée, à faire porter un trophée pour dire, voilà, il nous a laissé sa bonne musique. Jimbongue, Nachaya, Bounzeki.
Chimongela chaya bunzeke. Chimongela chaya bunzeke. Chimongela chaya bunzeke. Chimongela chaya bunzeke. Avalwa tawalwa. Chimongela chaya bunzeke. Ah karabanze. Chimongela chaya bunzeke. Ah chaussette. Chimongela chaya bunzeke. Ah chaussette. Chimongela chaya bunzeke. Moi, je les encourage d'abord, hein, ceux qui travaillent et ceux qui achètent leurs habits. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on se dit sapeur, ce n'est pas venir seulement s'habiller dans le quartier, on va voir marteler le quartier, faire les 1, 2 pas et 3 pas, et demain on dira que c'est un sapeur. Un sapeur, ce n'est pas celui-là. Un sapeur, ce n'est pas celui qui passe à la télé, qui raconte de n'importe quoi, les critiques envers les autres. Pour moi, un sapeur, c'est celui qui s'habille. Il n'a pas de jour dans sa tête. Lui se dit, si aujourd'hui c'est lundi, il s'habille. Si mardi, il s'habille. Si mercredi, il s'habille. Pour lui, c'est ça un sapeur pour moi. Celui qui ne garde pas ses habits dans les valises, mais c'est celui qui valorise ses habits. Je m'appelle le caméléon. Le balari le plus célèbre. Quand on dit la sape, c'est ça. Si tu n'as rien, tu n'as rien. J'avais commencé la sape à l'âge de 5 ans. Je fais le charbon. Je sais terminer ce chali. T'as vu? Regarde maintenant bien. C'est un sapeur qui tire profit sur ce que Rafa a laissé. Rafa m'a laissé une richesse. Ozafa,